Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us. Lâchez-moi monsieur. Sur The Last of Us Part 1 évidemment, Remastered. N'oubliez pas la 4K, 60 FPS, ça fait extrêmement plaisir. Et on est en train de s'échapper pour éviter qu'il découvre évidemment Joël, le frérot, le sang de la veine, qui est en train de se reposer parce qu'il est dans un sale état, le frérot. Il est dans un très très sale état. Hop, monsieur, on vous a dit qu'il faut partir. Monsieur. Ah, c'est pas vrai, tous ceux qui ont une doudoune sont des connards. Ça va toi? Ok, allez on est parti. Oui, j'ai demandé à un mec au passage s'il allait bien. Bonsoir monsieur. Voilà, il apparaît ici à venir sur le cheval. Je me suis mis bien trop à gauche. On est donc parti. Oh non. Oh non, tempête. Oh miskin. Bah il est mort. Ah ouais, non, miskin, il est même dans un sale état. Ok. Oh putain. Okay. Oh! Wow! Ok. Je me souviens pas de cette course-poursuite. Mais c'est fou! Elle est folle! Et là, il y a déjà ce moment d'accalmie. Ok. N'oubliez pas qu'on repart avec un stuff à zéro, avec Ellie, évidemment. Ok, ça c'est beau ça, j'aime bien. Très bien. Très bien. Le doute m'habite. J'essaye de localiser, il y a peut-être rien, je sais pas, hein. Il y a peut-être rien. Ok. Vraiment la tuer. David a dit qu'il la voulait vivante. C'est pas à lui d'en décider. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Oh merde. Je savais pas que c'était elle. David peut aller se faire foutre. Je prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Ok. Ils sont que deux. Hé, hey, tu la vois? Elle est pas ici. Ok. Les gars, si je le mets... Oh non. Putain, le con. Quoi? Non, monsieur! Voilà, allez, hop, c'est achevé, c'est terminé, on passe à autre chose. Plan suivant. Ah ouais, il a eu aucune pitié, il est venu, une balle, terminé. Ok. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. La question, c'est 1, 2, 3, 4. Ok, jusqu'ici, je suis. Mais il y a un truc qui est embêtant, c'est qui m'a vu? Tu la vois? Elle est pas ici. Qui m'a vraiment vu? Je vais regarder de ce côté. Va regarder en bas. Oh non. Mais où est-ce que t'es? Mais c'est pas vrai, frère. Quoi? Ok. On va essayer de ne pas la jouer trop trop bourrin. Un minimum tactique stratégique.
Ok. Elle est par là. Elle était là. Déployez-vous, les gars. Attends. Je suis pas serein. Je suis désolé, c'est vrai que je parle pas du tout pendant ces phases-là. Ok, bon bah ça servait à rien. Je pensais qu'on pourrait faire tout le tour par ici. Oh mon dieu. C'est pas possible. Mais comment? Qui a pu me localiser, frère? Ok, ils se mettent en position. Là, je l'ai pas, hein, vraiment. Hein. Putain, pourtant, je suis pas teubé, mais... Je crois qu'en fait, quoi qu'il arrive, t'es localisé. Tu vois? Ouais, je te tutoie, je te tutoie. Tu vas faire quoi? Non, mais sérieusement. En plus, ils font mal quand ils font ça. Putain de merde. Finir par me respecter, hein. Au bout d'un moment. Ok. Très bien. Très bien. Y'a rien. Bon. Ça me fait chier d'utiliser ça, mais on n'a pas trop le choix, les amis. Allez, c'est parti. Ok. Il a l'air tout seul, le man, là, on est d'accord, hein. Je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. C'est la maison de l'horreur. J'ai créé la putain de maison de l'horreur, frérot. Littéralement, toute la terre est morte dans cette maison. Ok, on se casse. Ok. J'ai envie de la tirer dans cette maison quand même. J'ai envie de la tirer dans cette maison. Attends. Ça peut être qu'elle. Hop, allez, sur la terrasse, il manquait plus que ça. Encore? Non, mais c'est pas possible, ça s'arrêterait plus. Oh, la maison de l'horreur, c'est... C'est excellent, j'adore. Je rappelle qu'il faut pas tuer les gens. Parce que ça fait mal. Ok. Là, pour l'instant, je ne localise rien. Rien de suspect. À savoir qu'ils ont quand même une vision assez extraordinaire. C'est par là. Ok, hop, ça on prend. Ça, un petit sneakers. Ça, ça, ça on prend. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une boîte explosive. Ça peut ne pas être trop dégueu. Ok, on va se casser. Sneakers? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai mangé, j'en avais pas besoin. En vrai. Ok. On va passer par là.
Alors, yes. Respire. Putain, si j'y arrive ça, frérot. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je suis exceptionnel. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, j'ai pas vos avis en commentaire. Je suis un peu seul, donc il faut que je kiffe, tu vois. Il faut que je me kiffe, je m'embrasse, tu vois, ou pas. C'est si personne le fait, pour toi, fais-le toi-même. Incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Très bien, on fouille tout, hein, on sait jamais. Ok, là, y a rien. Bon, superbe. Y a rien. Alors, on va fouiller les toilettes. On va fouiller les toilettes. On n'a rien. Oh, 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 oh. Ça, je prends, tu le sais. Ça, c'est le meilleur move. En fait, jeter une brique ou une putain de bouteille sur quelqu'un, ça l'étourdit, ce qui permet de l'assommer au calme. On dirait bien une issue. Ah, mais non, mais attendez, je veux pas l'astuce, je suis pas teubé. Je prends juste le temps de tout fouiller et kiffer, les gars. Y'a rien. Ok. Bougez pas. On va faire ça. Let's go. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on n'a plus rien. Bon, j'avais déjà fouillé, mais on sait jamais. Alors. Le man que j'ai arraché de si loin, là. Il... Ah, putain. Et quand même, hein, ce qu'il a pris. Hein. Attendez. Dernier truc qui me taraude. Non, y a rien là. Ok. J'aime bien fouiller les petits recoins. Voilà, ça c'est le petit plaisir. C'est l'épisode 20. On sait se faire plaisir. Hop, on va passer par là. Ok. Sentier de découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. Ok, let's go. Bon, on s'en est très très bien sorti. On est mort une fois, je crois. Mais là, ça va, c'est ok tiers. En fait, j'essaie... Oh la vache. J'essaye de bien faire les scènes. J'ai pas envie de faire comme sur PS3, où dès que je me faisais cramer, bah ça tirait à balle, frérot, ça devenait Gears of War, le bordel. Là, tu vois, je préfère mourir, recommencer la scène, et tenter de faire un peu de l'infiltration, des petits kiffs, quoi, les gars, tu vois, c'est normal. C'est normal. C'est aussi ça, l'expérience de The Last of Us, c'est revoir le jeu différemment, en tout cas, faire le jeu différemment de quand on l'avait fait à l'époque. Et c'est ce qui permet de, bah de redécouvrir un petit peu l'expérience, mais avec une autre vision, tout simplement. Je me permets d'être un peu philosophique. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. Par contre, il y a quoi, là? On va check là-haut. Genre, Miskin, il y a des fringues, elles ont pas bougé, frérot. C'est quoi ces conneries? Il y a des fringues, elles sont là depuis 30 ans. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Le livre numéro 8. Très bien. Je sais pas si on a tous les livres. En vrai, il y a un monde où c'est faisable. Enfin, il y a un monde où on... Okay. On en a pas loupé, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, je les ai amenés loin, mais... Oh, ça sent la douille. Pas par là. Et comment je fais pour sortir? Ok. On y va. C'est bon. Ça, c'est un problème. On va passer par ici. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Rien à ouvrir? On ne sait jamais. Rien à ouvrir. Très bien. Belle... Oh, belle demeure. Voilà le chemin. Tiens bon, mon Joël. Très très belle demeure. Alors là, frérot, je suis observé d'où là, je piche pas. Ratisse ta zone, on doit s'assurer qu'elle se plante pas par ici. Deux.
deux au fond, très bien. Deux au fond. Oh là là, ils ont une vue, mon ref. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi, ma petite. Elle est ici! Mauvais droit. Wouh! Couvre-moi! Ok. Ok, on va calmer un peu le jeu. Merde. Quoi? On se déploie. C'est toi, ma volée? Putain, mais... C'est des problèmes, ça. Bon, je vous dis que ça, c'est des problèmes. C'est la maison de l'horreur 2, là, les gars, le retour? Ok... Terrible, hein. Terrible, oh, terrible. Vache. Bon. Commence à faire beaucoup là, hein. Pour une petite gamine comme moi. Ok, on va récupérer notre arc. Peut-être aurons-nous l'occasion de bander cette fois-ci. Mais pouvoir mettre une flèche dans le gosier d'un adversaire, ça peut être pas mal. J'avoue que quand tu touches avec l'arc, il y a ce petit côté où tu sens que tu t'es régalé, tu vois. Tu sens que t'as fait quelque chose de grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez les gars, je crois qu'il n'y a plus de méchants, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Moi je veux juste rentrer dans le chalet, on est d'accord, hein. Mon seul point faible. Ok, let's go. Je veux pas te piéger ici. Ok, superbe. Ce qui est cool avec Ellie, c'est que Joël n'y a sûrement jamais pensé, mais elle a un couteau, en fait, qui ne s'use pas. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça n'a putain pas de prix. Qu'est-ce qu'on a là? Une tireuse à bière, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Des petits médocs, rien? Il pourrait régaler un petit où peu plus. Sortie? Vraiment, pour le coup. Oh. Allez, des petits médocs, les gars. Oh. Ok. On va refaire ça. Hein. Moi, je suis désolé, mais ça, vous me connaissez. Les soins, c'est capital. Je parle pas de l'émission sur M6. Ok. Très bien. En fait, c'est ouf parce qu'on a l'impression de se régaler, mais on se régale pas vraiment parce que c'est que des moitiés de liquide. Tu sais que c'est des fonds de bouteille ou... C'est du chalet. Wow, putain. Pardon. What? Derrière le man?
Qu'est-ce que vous branlez là, vous? Qu'est-ce que vous branlez là? Quoi? J'ai entendu un mec venir là, non? Attendez, c'est un bug ou... Qu'est-ce qui vient de se passer là? On est d'accord qu'il y avait deux personnes à cette putain de fenêtre? Alors que j'en viens et qu'il n'y avait plus personne. Attends, je fais un petit 360 étages pour Sound. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, on va ici. Quoi? Couvre-moi! C'est bon! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Couvre-moi! Vous êtes des fous? Ah dommage. Mais what? Oh là là! Terrible! Fucking terribles! Damn! Ok. Non, attends, les gars, oh. La perds pas! Elle est par là? Ouais, elle est pas là. Hé, hey, petite! Arrête tes conneries et dépose tes armes! On est plus nombreux et mieux armés! C'est ta dernière chance! Quel merdier, putain. Ok! Tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu! Quel merdier! Okay. Allez, viens par ici, bibiche. C'est pas vrai. Allez, tu rejoins ton pote exactement au même endroit. Ça dégage. Voilà. Vous mourrez côte à côte, les rafs. C'est cadeau, ça, c'est Bibi qui régale. Bah, c'est fort dommage de s'être fait tuer juste avant. Mais j'ai envie de vous dire, avec Ellie, la vie, elle fonce super vite. Voilà la sortie. Ok. Essayez de tout fouiller quand même, on n'est pas des sauvages. Très bien. On peut se refaire. Incroyable. On va se faire ça. Superbe. Je m'auto-complimente, ça fait plaisir. Allez, let's go. Allez, Ellie, un bon coup d'épaule, bichette. Du calme. T'es en sécurité. T'en fais pas. T'en fais pas. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim.
T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. 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 Ok, bon. Je me souviens pas qu'il y avait un peu cette idée aussi finalement de vengeance. On y retrouve un peu The Last of Us 2, hein, parce qu'ils veulent à tout prix se venger de Joël, qui a tué des gens pour garder Ellie évidemment en vie et lui aussi. Donc y a ce petit côté un peu The Last of Us 2 qui se garde et c'est pas pour déplaire, je vais pas vous mentir. Malheureusement, on est tombé sur des cannibales, mangeurs d'humains, et ça c'est assez terrible. Mais c'est dommage, il a pas l'air si méchant le mec en fait. Oh putain, là je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je crois que je vais prendre ma part, mais la pénicilline a fait son boulot. Ok. Je prends. Je suis toujours aussi bien. Je suis toujours aussi bien. En vrai, hey, on va se faire un petit plaisir. Regardez. Voilà. Et on va même s'en recréer un. Parce qu'on est très arrogant ici. Superbe. Très bien. Oh, on a de la balle, on a tout ce qu'il faut, les gars. Vraiment, on a de quoi tenir. On a de quoi tenir une bonne trentaine de guerres. Hein. Ok, let's go. Et là, je pense qu'il va y avoir des méchants un peu partout. Attends, il y a peut-être un monde où dans le garage il se passe des bails sombres. Sombres mais cool. Voilà, ça c'est cool. Oh putain, ça peut être cool aussi. Ok. Donc là, on va à la recherche du camp cannibale. Très bien. Bon, il est temps d'aller donc sauver notre petite
Ellie, même si je pense... Personne ici, très bien. Ellie! Attends, me gueule pas comme ça, Joël. Où est-ce qu'elle est passée? Ça le fout. Ok, petite maison voisine, pas ouvrable. Là-haut, je ne pense pas que ça soit ouvrable. Je pense que rien n'est ouvrable. Excusez-moi, je bégaye beaucoup dans cet épisode. On va s'arrêter là! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous. Il est là-bas! Oh, merde. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt dans la merde, tous ensemble, évidemment. Allez! Bye tout le monde. Ils sont nombreux. Je vous le dis, ils sont nombreux.